Nancy Deloise's bright, exuberant oil paintings and drawings have been a regular feature of Messam's exhibitions for over a decade. In this latest show, which opens at our St James's Gallery in central London this April, we celebrate the quintessentially French artist's 80th birthday and enjoy it through one of her favourite media, oil pastels, which will be a major focus of this joyous show. This short film visits Nancy in her studio in Limoges as she prepares for the show and discusses her work with us. Et dans des vieilles revues que ma mère jetait, je découpais des tableaux de peintres. Et ça, je crois que c'était ça qui m'a vraiment décidé à dire à mes parents que je voulais être peintre. Gauguin était un de mes grands faibles. Vous voyez, au début, je faisais de la gouache parce que je ne connaissais pas les pastels gras. Ben, il fallait que je m'achète mes pinceaux et tout. J'ai été décoratrice à la chambre de commerce. Donc, j'ai fait du décor pour l'expansion d'Arras-Bovine du Limousin. Donc, je suis allée dessiner un taureau, j'en avais jamais dessiné. Enfin, c'était très amusant aussi parce que je touchais un peu à tout. Mon bonheur, c'est de donner du plaisir. Moi, ce qui me plaît, la nature, les couleurs. Les tissus, tout ce qui est beau, les faïences, tout. J'ai des coups de foudre partout. J'ai commencé en fait en pastel à travailler dehors. Je travaillais dans la rue de la Boucherie, je travaillais partout là où je pouvais aller, dans les jardins, tout ça. Il faut s'imbiber de l'atmosphère, de l'éclairage, du ciel, des arbres. Pour moi, donc je suis allée beaucoup. Quand j'ai commencé à peindre, je suis beaucoup allée au parc. Ce que je veux, c'est tout le temps faire suivant mon émotion, ce que j'ai envie. C'est pas grave, si c'est pas bien, c'est pas grave. Quelquefois il y a des tableaux qui sont pas bien, ce qu'on pourrait penser pas bien, qui finalement sont très beaux.